Salut à toutes et à tous, c'est Check Dacrou, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Know You Rage Motherfucker. Aujourd'hui, information sur Advent Warfare, comme vous l'avez certainement vu dans le titre. Pour ce qui est du gameplay, c'est monsieur Rage The Bee qui nous a fait plaisir en jouant au M1 Irons, la toute nouvelle arme qui vient de sortir. C'est pas un gameplay extraordinaire, mais voilà, c'était juste histoire de vous mettre un petit visuel de l'arme pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est vraiment. Bref. Aujourd'hui, pas mal d'infos sur les armes, variantes et camouflages qui vont arriver dans les jours, les semaines, voire les mois à venir sur Advent Warfare. Bon, d'abord, on a pas mal de variantes qui sont déjà dans le jeu, suite à la mise à jour qui avait été faite, mais on ne sait pas encore quand elles vont sortir. En fait, elles sont déjà prédestinées à être dans le jeu, mais on peut pas encore les obtenir. Bref, ces variantes seront toutes incrustées du camouflage royauté violet. Une petite image va s'afficher pour que vous sachiez ce que c'est. Bref, on a pas mal de variantes. La K12 Hall of Fame par exemple, tout ça c'est des variantes élites, donc il sera une variante élite de la K12 avec des nouvelles stats, etc. Pour la mêlée, ce sera la SAW. Pour la SM1, il y aura une nouvelle variante avec un chargeur grande capacité intégré. Il y aura une variante pour la BAL 27, une variante pour la HBR A3, une variante pour la KF5, pour la LSAT Piatek, pour le Morse, pour le S12, il y aura la variante Rhino. Pour le TAC 19, il y aura le UTS 19. Pour la SAC 1,5, il y aura la SAC. Pour la SAC 3, il y aura la SAC 1,5. Parce que quand tu divises 3 par 2, ça fait 1,5. Et donc, quand tu divises les deux armes par 2, tu obtiens une arme. Donc, tout simplement, tout ça pour dire que ce sera une arme SAC 3, mais une seule arme, quoi. Vous aurez une arme dans les mains. Et il y aura un viseur réflexe intégré dessus. Voilà, pour ce qui est des camouflages, il y en a eu pas mal de sorties aujourd'hui, je crois qu'ils sont sortis. Sur Microsoft, bien sûr, Xbox 360 et Xbox One, ça sortira dans un mois sur PS3, PS4, PC et Wii U, peut-être pas. La Gourvère, c'est le nom du camouflage qui s'affiche sous vos yeux normalement. C'est Heyman qui fait le montage normalement, j'espère qu'il va pas chier. Tiki, Inferno avec des flammes et Psychédélique, arc-en-ciel. Psychédélique, c'est tout ce qui réfère plus ou moins de près ou de loin à la drogue, au courant musical des années 70, tu vois, aux rêves, etc. Donc bah voilà, arc-en-ciel. Pour continuer sur les camouflages, on sait que 4 prochains camouflages devraient sortir dans un prochain DLC qui suivra. D'abord, Ices avec des cartes de poker, tu vois, pour les joueurs de cartes. Disco avec les boules disco pour revenir dans les années 80, wouh, bitch! X-Ray et Jackpot, voilà, c'est le nom des prochains camouflages qui sortiront dans le prochain DLC de camouflage, donc vous allez être servi. Question habillage d'armes. Pour finir, parlons un peu de l'arme que The Bee Machine est en train de manier dans ce gameplay. Tout simplement l'M1 Irons, qui sera un pistolet classé dans la catégorie spéciale des armes, donc pas secondaire pistolet, hein, c'est pas comme un autre. Sachez aussi qu'il aura une portée identique à l'exécuteur, par exemple, de Black Ops 2. Et donc voilà, c'est un pistolet qui ne va pas très loin, il faut vraiment s'approcher, les dégâts sont assez conséquents de près. Bref, vous voyez dans le gameplay comment on s'en sert, à vous de faire pareil pour sortir des petites DNA, etc. Ça peut être sympa, même si c'est pas la révolution du 21e siècle, c'est quand même un pistolet gratuit que vous pouvez télécharger sur le Xbox Live ou sur le PSN dans un mois, puisque bien sûr ça sortira sur le PSN et sur PC dans un mois seulement, alors que sur Microsoft c'est déjà disponible. Joueurs de Xbox 360 et d'Xbox One, profitez-en, téléchargez cette arme gratuite que vous donne Activision. Des variantes de cette arme seront disponibles dans les Supply Drops et les Advanced Supply Drops. Voilà. C'était Check Dacrou, j'espère que cette vidéo information vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher vos likes, vos commentaires pour dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à féliciter The Bee pour son petit gameplay qui nous fait plaisir quand même à voir. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit les gars. Je vous dis à la prochaine sur la Know You Rage et je vais laisser Rachel vous dire au revoir. Allez, à plus les gens, c'était Rachel. Bye 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 bye. Allez, à plus les gens.